sensation de la plénitude, je sais pas, de la joie. À force de les dire, peut-être elle perd son valeur, mais voilà, ça c'est que des mots. Puis n'hésitez pas à écouter en fait la musique qui vient des balcons de votre voisinage. J'espère que vous avez la possibilité. Et c'est dommage, par exemple, qu'en Italie, on a interdit de chanter au balcon, car oui, je comprends qu'il y a un devoir de respect vis-à-vis des personnes qui sont décédées. Mais ma mère est décédée, elle avait 52 ans. J'ai eu, évidemment, comme tout le monde, dans toutes les familles, il y a toujours des gens qui sont décédés. Mais je suis sûr que les derniers jours de sa vie, ça m'étonnerait qu'elle aurait renoncé à sa musique. Je pense que je suis sûr de ça. Il faut assumer que le silence, c'est une musique aussi. Et le silence, on se l'oblige souvent. Le silence, c'est une musique. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella. E ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao. Voilà, maintenant on commence l'apéro, non? Oui, l'apéro. D'abord on appelle les gendarmes et puis on fait tout descendre. C'est hygiénique, il faut qu'il n'y ait personne. Voilà, c'est une bonne tactique. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui veut appeler les gendarmes? Au moins,
quelqu'un qui appelle les gendarmes, au moins il vient contrôler. Il n'y a personne et puis tout le monde descend auprès de l'apéro. On a eu l'organisation pour chanter au balcon, Lorenzo. Alors tu joues un peu avec la règle.